Oh mais il y a du monde ce soir. Voilà. Bonsoir, c'est férié aujourd'hui, alors on a décidé de venir vous voir. Comment allez-vous les scientos? Alors, aujourd'hui on a décidé de vous lire une petite histoire à propos de la scientologie et de la pédophilie. Oui, on est déjà devant. Je pense que vous devez connaître Jane Eastgate, la présidente du CCDH, qui a été arrêtée à Melbourne à la suite d'une affaire de pédophilie où elle aurait couvert un scientologue qui s'amusait bien avec sa petite fille de 11 ans. Ah oui, quand même, hein. Madame Eastgate, E-A-S-T-G-A-T-E, aurait empêché une jeune fille de 11 ans de porter plainte pour abus sexuels contre son beau-père, scientologue. C'est pas normal. Madame Eastgate est la chef du gang anti-psychiatrie, anti-médecine nommé CCDH en France et en Australie. En France, ils sont domiciliés au 7 rue Jules César à Paris. Tu vas y aller? Oui, on s'est fait agresser devant chez eux. C'est bizarre, hein, mais quand on relate des trucs un petit peu gênants pour eux ou quand on passe à la télé, ils essayent de nous tabasser. C'est con, hein. C'est fou ce qu'Internet, c'est vachement pratique. Ouais, c'est pas grave. On sait qu'il y a une réunion à 19h30 aujourd'hui. On a tout notre temps. Donc, on va vous accompagner pour votre petite réunion. Ce serait bien que vous puissiez nous répondre sur l'accusation à propos de cette Jane qui aurait laissé un beau papa faire beaucoup de choses à sa petite fille de 11 ans et qui a dû payer une très longue caution pour pouvoir sortir de prison à Melbourne. Oh là là! Et après, on essaye de dire qu'on est une religion humaine. Moi, je dirais plutôt une secte criminelle. Ça encore, ça nous prouve une énième fois, si je puis dire, la dangerosité de cette organisation mafieuse. Non, aux enfants dans les sectes. D'ailleurs, lundi 6 juin sur Canal+, lundi investigation, nous serons là pour expliquer notre mouvement. Attention, madame. Et le lendemain, le mardi 7, on sera sur Arte. Donc voilà, deux émissions, deux jours. Étant donné que la dernière fois que je suis passé chez Ardisson, j'ai dû avoir affaire à quatre guignols de votre secte criminelle, je me demande si cette fois-ci, je vais pas en avoir 8 sur le dos. Waouh! Eh, t'as vu, il en faut des clients pour payer un tel truc, hein? Ah, c'est clair. Putain! Elle a tellement merdé. Le prix du loyer ici, il est tellement acheté. Si t'as un pote homosexuel, ils disent que l'homosexualité est une maladie, donc ils peuvent les guérir. Mais oui, ils peuvent même faire revenir ta femme si tu l'as perdue. Si, si, il faut un peu dans le marabout parce qu'en ce moment, ils perdent du fric. Faut payer combien? 300 000 euros en moyenne. Putain, c'est cher. Eh, vous venez pour la réunion de 19h30? Dites bonjour à Rico de ma part. Bonjour les palourdes. Coucou. Comment allez-vous? Comment ça, Robin? Il y a des passants. Il y a des passants. Bonjour. Ah, regarde, il y a un clown en face. Comment allez-vous? Salut, faites gaffe, ils aiment le pognon en face. C'est une autre, c'est pas filmé ça? Non, c'est vrai. Je peux filmer ou quoi? Ouais. Bonjour, messieurs, comment allez-vous? Bonjour. Monsieur, comment tu mets en mode photo? Sur le bout. Dernièrement, j'ai recouvert une affaire de pédophilie, c'était très récemment, où la directrice de la fausse association de défense contre les victimes d'abus psychiatriques a couvert l'histoire d'un papa qui faisait beaucoup de choses à sa belle-fille, qui avait 11 ans. Elle a couvert cette affaire parce que le monsieur était un cadre important de la scientologie.